Eh bien, salut tout le monde, c'est Clubby Boys. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 pour un petit peu changer. Donc oui, hein, j'avais pas fait de vidéo sur Call of depuis quelques petites semaines, tout simplement parce que j'y jouais plus. Je jouais beaucoup plus à FIFA qu'à Call of et peut-être que je faisais une partie de temps à autre sur Call of, mais la plupart du temps je jouais à FIFA. Donc on se retrouve en domination sur la map Slums. Donc je joue avec la Type 25, donc qui est un des fusils d'assaut bien sûr. Donc la Type 25 avec viseur laser et silencieux, ou viseur réflexe si vous préférez. Camouflage bleu, ça on s'en fout. Donc ensuite j'avais pas de grenade flash paralysante parce que j'utilisais deux atouts numéro 1. J'avais la fragmentation. Donc en atout j'avais fantôme, détermination et... fantôme, détermination. Robustesse, je pense. Ouais, robustesse, dextérité. En score streak, comme vous le voyez, j'avais le drone, le foudroiement et l'aéronef furtif. Donc vous allez voir que c'est un bon gameplay que j'ai réalisé il y a pas si longtemps que ça, puisque il date de vendredi, je crois. Donc c'est un petit gameplay que je voulais vous proposer, tout simplement parce que je fais une bonne partie. J'ai toujours pas réussi à débloquer de médaille nucléaire, je sais. En même temps, si j'y joue pas, ça va être compliqué. Ne vous inquiétez pas, là, il me reste encore une semaine de vacances et je vais un peu jouer à Call of. Je vais un peu repasser sur Call of. Je vais un peu laisser FIFA de côté. Et puis vous allez voir que je vais certainement y arriver. Avec du temps, je pense que ça devrait se faire sans problème. Avec de bons joueurs. Avec des abonnés, enfin, avec des personnes qui seront connectées, avec qui je m'entends bien. Donc vous verrez ça. Si, en tout cas, si je réussis une médaille nucléaire, il n'y aura aucun problème pour que je la mette sur ma chaîne. De toute manière, vous verrez tout ça. Je vous tiendrai au courant de ce qui va se passer. Donc, vous voyez, j'enchaîne déjà pas mal les ennemis, hein. J'ai pas encore débloqué d'aéronef. Donc voilà. Donc je vais juste vous expliquer pourquoi je joue plus trop à Call of ces derniers temps. C'est tout simplement parce que déjà sur FIFA j'ai un très gros projet qui arrive. Je ne vais pas vous en dire plus. Hein. Si vous voulez savoir, je vous conseille de vous abonner puisque ça va pas tarder la vidéo va pas tarder à sortir. Et vous allez voir que c'est vraiment une vidéo pas comme les autres. Je vous en dis pas plus. Et la deuxième raison, c'est que je m'énerve beaucoup trop sur ce jeu. Je rage vraiment pour n'importe quoi et même temps c'est pas toujours n'importe quoi. Tout simplement parce que déjà, c'est le mode studio qui m'énerve. Parce que, une fois, c'était il y a quelques temps, j'avais fait une très très bonne partie. Je crois que j'étais mort une ou deux fois. J'avais fait plus de 75 kills ou quelque chose comme ça. Et j'avais pas enregistré en live. Et c'est une erreur que je vais essayer de ne plus faire. Et puis, bah, le mode studio, bien sûr, ne m'avait pas pris la partie. Et les gens qui étaient avec moi dans la partie, bah, n'ont pas eu la partie non plus dans le mode studio, donc j'étais assez dégoûté. Donc voilà. Et aussi à cause des connexions, parce que j'ai toujours des problèmes de connexion sur ce jeu. Je pense que ça vous arrive à tout le monde. Vous faites tirer par quelqu'un, vous allez vous cacher derrière un mur, et là, et les balles de ce gars, et bah, comme par hasard, elles passent à travers le mur, alors que c'est un mur de 5 mètres, un mur de 5 mètres, et elles viennent vous tuer. Et ça, c'est quelque chose que je supporte vraiment plus sur ce jeu. C'est la connexion. Ou alors, des fois, ils ont vraiment. Les ennemis, j'ai l'impression qu'ils ont 2 secondes d'avance sur moi. Donc, c'est vraiment pas jouable. Enfin, il y a vraiment un problème quelque part, quoi. Je sais pas si ça vous arrive aussi à vous. Si c'est le cas, bah, dites-moi dans les commentaires, pour voir si je suis pas le seul à m'énerver pour rien comme ça. Donc, voilà. Et comme vous le doutez, si je joue pas Call of, le concept la ruée vers le diamant va se calmer. Hein, je vais pas pouvoir vous sortir des épisodes aussi rapidement que je le pensais. Mais bien sûr, des vidéos FIFA, il va y en avoir. Mais vous inquiétez pas pour ceux qui regardent que les vidéos Call of. Il y aura aussi des vidéos Call of, faut pas vous inquiéter. Et attendez, là je suis juste en train de suivre une enchère, mais c'est bon. Non, petite parenthèse. Donc oui, vous inquiétez pas, les épisodes de la ruée vers le diamant vont continuer. J'ai aucune idée de quel type d'arme sera le prochain épisode. Je pense que ce sera soit les. Comment ça s'appelle? Soit les armes secondaires, les. Comment ça s'appelle? Les pistolets, voilà.
ou je pense plutôt les fusils d'assaut. Les fusils d'assaut, oui, parce qu'il m'en manque pas beaucoup, je crois. Donc vous verrez bien. Il y a une petite killcam que j'ai fait. Donc les fusils d'assaut, je pense que ça sera le prochain épisode. Et aussi, je voulais vous demander sur FIFA si vous vouliez que je continue les squad builders ou les créations d'équipes. Vous pouvez me donner des idées pour savoir quel type de nation ou quel type de championnat vous voulez voir dans une équipe que je pourrais créer. Donc ça c'est à vous de me dire hein. Et si vous aimez et si vous voulez d'autres vidéos, d'autres styles de vidéos, bah je vous invite à marquer tout ça en commentaire. Je voulais encore une fois remercier toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, qui regardent mes vidéos et qui prennent le temps de regarder surtout et qui laissent des petits pouces bleus, des petits pouces verts comme vous voulez. Ça fait vraiment plaisir. Maintenant, vous êtes presque plus de 850, non, même pas presque, vous êtes plus de 850 à vous être abonné à ma chaîne. Et je peux vous dire que ça fait vraiment chaud au cœur que plus de 800 élèves. 800 élèves. Excusez-moi, je raconte n'importe quoi. 800 personnes prennent le temps de jeter un petit coup d'œil sur ma chaîne. Et ça, je peux vous dire que ça fait vraiment plaisir. J'espère arriver aux 1000 abonnés, ça me ferait vraiment plaisir. Et là, vous inquiétez pas que je ferai une vidéo spéciale. Une vidéo très spéciale. Donc, je vous en dis pas plus, hein. Pour cela, il faut vous abonner. Je vous oblige pas, hein, mais si vous voulez voir la suite de mes vidéos, c'est logique. Donc là, vous voyez, franchement, je fais une bonne partie hein, avec cette type 25. Donc la type 25 c'est quand même une arme que j'aime bien. C'est une arme qui a une très grosse cadence de tir. Hein. D'habitude j'utilisais le viseur réflexe au début parce que j'avais du mal avec le viseur de base. Mais maintenant en général quand j'y joue j'utilise uniquement le silencieux et le chargeur rapide ou alors le chargeur grande cape. Parce que les balles elles partent assez rapidement comme la cadence de tir est élevée. Donc c'est quand même une très bonne arme. Et aussi pour la ruée vers le diamant, j'ai quasiment les lanceurs, donc les armes secondaires, les lanceurs en diamant. Donc je sais pas trop quoi faire comme style de vidéo pour les lanceurs. Parce que je vais pas me promener dans une partie avec un RPG. Sauf si vous le souhaitez, hein. Ça c'est à vous de me dire encore une fois. Dites-moi si je sais pas si ça sera un beau gameplay de se balader dans une map avec un RPG dans les mains. Je pense pas avoir fait. Je pense pas pouvoir faire une très bonne partie avec ça. Je sais pas, je verrai. Donc je pense que le prochain épisode sera les fusils d'assaut. En tout cas, je vais tout faire pour. Là, vous voyez, j'ai encore une médaille sans pitié, il n'y a aucun problème. Les médailles implacables, il n'y a aucun problème pour que je les réussisse. Hein, franchement, je me débrouille plutôt pas mal. Même brutal, j'en ai eu une. Et je suis mort à 2 kills de la médaille nucléaire. Donc là j'étais vraiment dégoûté. Mais vous inquiétez pas, je vais vraiment m'entraîner assez longtemps pour pouvoir réussir ce défi. Parce que je suis quand même. J'ai quand même envie de vous proposer un gameplay avec une médaille nucléaire. Parce que je me dis c'est pas plus dur qu'une Moab. Quoique je ne sais pas, je peux pas dire si c'est plus dur ou moins dur. Mais avec le nombre de Moab que j'ai pu réaliser. Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous devez le voir. Sur ma chaîne, j'ai vraiment posté pas mal de Moab. Donc, je devrais vraiment pas avoir du mal à décrocher ma médaille nucléaire. Et aussi, je voulais savoir si ça vous intéressait que je vous propose des gameplays de Modern Warfare 3 avec une Moab ou quelque chose, parce que j'en ai encore pas mal. Donc, j'espère que ce petit gameplay à la type 25 en domination vous aura plus. Vous voyez, encore une fois, je fais la killcam avec mon aéronef. Je crois que j'ai débloqué plus de 4 aéronefs. C'est déjà pas mal en une partie de domination. C'est assez correct. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit pouce bleu. Partagez la vidéo au maximum avec vos potes. Et puis, je vais vous laisser sur un petit score de 64 à 4. Allez, bye tout le monde!